Alors, cours cinématique partie 2. Donc, après avoir fait un rappel de ce qu'on a vu en classe de première, attaquons ce qu'on va faire cette année en terminale. Alors là, on va introduire des concepts mathématiques pas évidents, notamment au niveau des notations et des concepts. Alors, je rappelle ici qu'on s'intéresse à des objets soit très petits, qu'on peut assimiler à des points, qu'on appelle en physique des points matériels, soit on s'intéresse au mouvement d'un point particulier d'un objet qui est son centre d'inertie, son centre de masse en fait. On ne s'intéresse pas, par exemple, au mouvement du point à la périphérie d'un objet, ça c'est plus compliqué, ce n'est pas du tout au programme. Donc, ce point étant précisé, on va rentrer dans un détail beaucoup plus précis sur le plan mathématique qu'on a pu voir ça en première. Alors, déjà, il faut re pouvoir repérer la position d'un point a priori dans l'espace. Donc là, déjà, on va passer en trois dimensions. Donc, on va utiliser un repère en trois dimensions. Donc, un repère orthonormé cartésien OX, OY, OZ, qui va repérer la position du point M ici dans l'espace. Donc pour repérer la position de ce point M dans l'espace, il faut trois nombres, trois coordonnées en fait. Donc la coordonnée Z sur l'axe vertical, puis après la coordonnée X et Y. Alors pour trouver la coordonnée X et Y, il faut d'abord projeter perpendiculairement le point M dans le plan OX, OY, donc le projeté orthogonal du point M dans le plan, c'est ce point-là. Et ce point-là a pour coordonnées X et Y, ce point-là et ce point-là. Et pour trouver les coordonnées X, Y, donc je prends ce point, je fais le projeté orthogonal, j'ai X, le projeté orthogonal, j'ai Y. De la même façon qu'ici, je faisais le projeté orthogonal sur l'axe Z, j'avais la coordonnée du point ZM, en fait, ici XM, YM. Donc déjà, avant toute chose, avant de parler de vitesse, d'accélération, vecteur accélération, il faut déjà repérer le point dans l'espace. Évidemment, ça, c'est une photographie à un instant T, ce point, il va se déplacer, il va décrire une trajectoire quelconque, a priori. Donc, on a déjà la définition d'un premier vecteur ici, qui est le vecteur position. Parce que si je trace un vecteur entre le point origine du repère, l'origine du repère, et le point M, j'ai ce qu'on appelle le vecteur position qui est le vecteur OM. Ce vecteur OM, il a trois coordonnées dans le repère OIJK, X, Y et Z. Et ce qui est important ici, alors attention, c'est là où ça bascule entre les mathématiques et la physique. C'est que ces coordonnées varient dans le temps. Donc, ce sont des fonctions du temps. X, Y et Z, entre parenthèses, petit t, pour dire que ce sont des fonctions du temps. Puisque je viens de le dire à l'instant, le point M, il se déplace. S'il ne se déplace pas, il n'y a pas d'intérêt à faire d'études de mouvement là. Ce point M, il se déplace. Donc, à chaque instant, je peux définir un X, un Y, un Z pour le point M. Donc, de façon générale, X, Y, de T sont des fonctions du temps qui sont ici inconnues, ces fonctions mathématiques. Quand on étudiera un mouvement particulier, on pourra trouver ces fonctions X, Y et Z. Premier point, le vecteur position, le vecteur OM. Voilà. Et au niveau vocabulaire, ces fonctions X de T, Y de T, Z de T, qui sont dans un cas quelconque inconnu, mais qu'on peut connaître quand on étudie un mouvement particulier, on appelle ça les équations horaires du mouvement. Voilà. Alors pour l'instant, ça reste assez théorique hein, dans cette première partie de cours, hein. Donc en fait, si je connais les fonctions x de t, y de t, z de t, par exemple, typiquement, une fonction x de t, ça peut être de la forme 3t carré plus 2t plus 5. Fonction polynomiale du second degré. Voilà.
Mais quand je connais cette fonction, je sais à chaque moment, à chaque instant T, je peux calculer l'abscisse de l'objet. Donc, je connais sa position, s'il n'y a que x qui varie. C'est ce que j'appelle les fonctions x de t, équation rare du mouvement. Alors ça, c'est un exemple comme ça pris au hasard, hein, mais c'est fonction polynomiale de second degré. On va retrouver ça plus tard. Deuxième vecteur vitesse. Alors, sur le rappel de première, on avait défini le vecteur vitesse pseudo-instantané avec un vecteur vitesse VI qui était défini par ça. Voilà. C'est pseudo-instantané puisqu'on est entre deux points très proches certes, mais c'est donc pas une vitesse vraiment instantanée, c'est la vitesse moyenne entre ces deux points très proches. Comment définir un vecteur vitesse instantané à un instant précis? Alors c'est là où les choses se gâtent. Alors je vais passer ici. Sur ce document-là. Alors, revenons déjà à la définition qu'on a vue en première. Donc, au point MI, vecteur vitesse, on l'appelle I, est donc défini par le vecteur MI, MI plus 1, sur un delta T. Je vais introduire par la relation de Chasles le vecteur. L'origine du repère entre le vecteur ami et ami plus 1. Donc, relation de Chasles assez classique. Hein. Donc, je transforme ce vecteur ami, ami plus 1 en deux vecteurs. Et je réécris tout ça. Donc, ça implique ça. Le vecteur VI, c'est un vecteur. Hein. C'est le vecteur O ami plus 1. Le deuxième vecteur, je le passe en premier. Et je transforme ça. Donc lui, je l'ai passé en premier. Ça, en fait, c'est l'opposé du vecteur OMI. MI, MI, MIO. Si je renverse les lettres, ça c'est la même chose que moins OMI. Bon, pour le dire autrement, vecteur AB, c'est moins vecteur BA. J'inverse les lettres. Voilà, mais je rajoute un moins devant. Delta T. Vous allez voir où je vais en venir à la fin de ma petite démonstration. Le vecteur VI, toujours. Donc ce OMI plus 1 moins OMI, je peux le voir comme étant une variation du vecteur position OM entre I et I plus 1. Delta OM entre I et I plus 1. La variation de vecteur, on l'a vu tout à l'heure sur le vecteur vitesse, mais là, c'est la même idée. C'est le vecteur, alors attention ici, le vecteur OM, hein, pris à la fin dans l'état final, c'est-à-dire à I plus 1, moins le vecteur OM pris en I, c'est-à-dire à l'instant initial. Donc, tout ça pour dire que ce que j'ai en haut là, ça représente la variation du vecteur position OM sur delta T. Donc ça, c'était la définition approchée du vecteur instantané en I. Donc c'est toujours une définition approchée. Comment arriver à une définition rigoureusement exacte sur le plan mathématique de la vecteur vitesse instantanée? Je vous rappelle le problème, c'est que pourquoi c'est un vecteur vitesse approché, ce vecteur vitesse instantanée approché? Parce qu'on est entre deux points. Proche, certes, mais pas infiniment proche. Donc l'idée ici, pour avoir une définition rigoureusement exacte du vecteur, alors je vais réécrire tout ça, pour une définition rigoureusement exacte du vecteur vitesse instantanée au point MI, vecteur VI, en fait, il faut faire tendre ce delta T vers 0, ce qui vient à réduire l'espace entre les deux points, à prendre deux points, mais très 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 proches, infiniment proches. Donc là, on a besoin des mathématiques qui nous disent que je vais prendre la limite quand delta t tend vers 0 de ce gros machin un peu compliqué, variation du vecteur position sur delta t.
Et là, j'ai une définition rigoureusement exacte du vecteur vitesse instantané en MI. Alors, je ne sais pas si vous me voyez arriver avec mes gros sabots là. C'est qu'en fait, on l'a déjà vu sur le ch dernier chapitre. Alors, vous avez remarqué, ça se corse un peu quand même sur le plan mathématique. Hein. Ce que j'ai encadré en rouge, la limite de ce que je mets entre parenthèses en rouge là, c'est un taux d'accroissement. Variation de quelque chose en haut sur la variation de quelque chose en bas. Variation du vecteur position sur la variation du temps. Voilà. Mais ça, c'est la notion de dérivée. Donc en fait, le vecteur vitesse instantané en i, c'est un delta t, si vous voulez, pour parler clairement, c'est un delta om très petit sur un delta t très petit, infiniment petit, qui correspond à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Donc le vecteur vitesse instantané, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Je vous rappelle que tout ça, ça se lit d'un bloc. Tout ça, ça se lit d'un bloc. Dérivée de vecteur OM par rapport au temps. Il faut, dans un premier temps, pas scinder en deux ce DOM sur DT là. Dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc on est passé d'une définition approchée du vecteur instantané à une définition rigoureusement exacte, ce qui nous oblige à utiliser la notion de dérivée par rapport au temps, parce qu'ici vous allez voir ce qui a un sens, c'est de dériver par rapport au temps à t. OK? Donc on va plus dériver par rapport au x mathématique inconnu là. On va dériver par rapport au temps et on va dériver un vecteur. Nouvelle difficulté. Donc j'espère vous avoir montré assez clairement comment on est arrivé à la définition du vecteur vitesse instantanée avec la notion de dérivée. Alors je reviens au document initial là. Donc voilà là, en fait ici là, cette formule-là, c'est ce que je viens d'expliquer. Bon, concrètement, qu'est-ce qui est vraiment utilisable ici? Ce n'est pas vraiment la relation entre vecteurs, là, mais c'est la relation entre coordonnées. Le fait que le vecteur vitesse soit égal à la dérivée des vecteurs position par rapport au temps, je vais appliquer ça à chaque coordonnée du côté gauche du vecteur vitesse et du côté droit de la position. Sur x, mais la coordonnée Vx, parce que là, en fait, il y a un deuxième vecteur qui apparaît, c'est le vecteur vitesse, hein, qui a pour coordonnée, alors si on reste dans l'espace, ce vecteur vitesse, il a trois coordonnées. Vx, Vy, Vz. OK? Attention, on a vu un premier vecteur qui est le vecteur position, qui a pour coordonnées x, y et z. Là, un nouveau vecteur, le vecteur vitesse, qui a d'autres coordonnées, Vx, Vy, Vz. Ce sont deux vecteurs différents, vecteur position, vecteur vitesse. Mais il y a un lien entre les coordonnées du vecteur vitesse et les coordonnées du vecteur position. Et ce lien-là, on le fait grâce à cette formule-là, qui est que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. Et très concrètement, la coordonnée Vx est égale à la dérivée de x, c'est-à-dire de l'abscisse x par rapport au temps de la position. Pour y, pareil, Vy, c'est la dérivée de la coordonnée y par rapport au temps. Et Vz, c'est la dérivée de la coordonnée z par rapport au temps. OK? Bon là, je vous engage à mettre sur pause, à regarder plusieurs fois la vidéo, à vous la repasser. Parce que là, on aborde des notions totalement nouvelles et compliquées sur le plan mathématique et en plus appliquées à la physique, ce qui rajoute encore la difficulté. Bon, et comme ça ne suffisait pas, les physiciens ont une notation très spécifique à ce d de x sur dt. Ce d de x sur dt, le physicien, pas trop, enfin, il utilise cette notation, mais il préfère une notation plus compactée. La notation plus compactée de dx sur dt, alors cette notation, les mathématiciens n'aiment pas du tout. Hein.
La notation compactée de dx sur dt du physicien, c'est-à-dire la dérivée, je vous rappelle, de x par rapport au temps, le physicien la note x point de t. C'est une notation, hein. Rien de plus qu'une notation, il n'y a rien à comprendre, hein. Voilà, le physicien note dx sur dt, x point de t. Il faut s'y faire. Alors, je vous rappelle, ici, voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'on dérive par rapport à t. On dérive par rapport à t une fonction x de t. Alors qu'en mathématiques, vous dériviez une fonction f de x par rapport à x. Vous voyez le travail là? Il va falloir mathématiquement, enfin intellectuellement, jongler entre les mathématiques et la physique là. Ouais, ben, on ne peut pas faire autrement, hein? On est obligé là. Voilà. X, c'est l'abscisse. Concrètement, là, le x physique, c'est l'abscisse. Et t, c'est le temps. Voilà. Alors, on retrouve des choses qu'on a déjà vues, hein, que la direction du vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Et là, on voit mieux pourquoi il y a la notion de tangente. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous posez la question, donner éventuellement une réponse. Pourquoi le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire? Parce que le vecteur vitesse est défini comme la dérivée du vecteur position. Donc la position, c'est la trajectoire. Dérivée géométriquement, c'est la tangente. Tangente à la trajectoire. Voilà. Rappelez-vous, la dérivée, la dérivée d'une courbe à un point, ça correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc c'est pour ça qu'il y a la notion de tangente. Voilà. La valeur de la vitesse, c'est la norme du vecteur vitesse. Voilà. Et par définition de la norme de vecteur, c'est la racine carrée de la somme au carré des coordonnées. Voilà, vous avez un vecteur U qui a pour coordonnées, je reviens en mathématiques 30 secondes, vous avez un vecteur U qui a pour coordonnées, je dis n'importe quoi, moins 2 et plus 3. Les coordonnées peuvent être négatives, attention, hein. Donc la norme du vecteur U, on a vu ça en maths, c'est la racine carrée de moins 2 au carré, c'est-à-dire sa première coordonnée au carré, plus sa deuxième coordonnée au carré. Je prends la racine carrée de tout ça, j'ai la norme de U. Et là, c'est exactement pareil, sauf que la Vx, Vy, Vz, c'est des inconnus ici, on n'a pas de valeur précise. Bon, tout ça vous paraît peut-être compliqué, c'est tout à fait normal, c'est application à la physique de ce que vous avez vu en mathématiques, il faut un certain temps pour l'assimiler. Hein. Bon, alors, vecteur vitesse, déjà, si vous avez compris ça, vous avez fait le plus dur. Hein. Donc, il va y avoir trois vecteurs ici dans ce chapitre. Vecteur position, qui a pour coordonnées x, y et z. Vecteur vitesse qui a pour coordonnées vx, vy, vz, qui sont d'autres coordonnées, celles du vecteur vitesse. Il ne faut pas confondre x avec vx. Il y a un lien entre vx, vy, vz et x, y et z. Je l'ai expliqué. Si vous avez compris ça, le reste, ça va suivre naturellement. Parce que un troisième vecteur arrive, c'est le vecteur accélération. Quand est-ce qu'on parlait d'accélération? Mais quand la vitesse, le vecteur vitesse plutôt, quand le vecteur vitesse de l'objet va varier, aussi bien en direction qu'en valeur. Donc là, il y en aura une accélération. Pour vous donner une image, pour vous expliquer, hein, si l'objet, vous prenez un virage en voiture, bon, vous faites rarement un cercle complet, mais vous prenez une portion de cercle en voiture, voilà. Mais en fait, l'accélération de votre centre d'inertie va être centripète comme ça. Vous tournez en voiture à vitesse constante. OK, mais il y a quand même une accélération. Comment définir l'accélération? Comme étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Voilà. En première, on avait vu une notion qui était la variation du vecteur vitesse delta vecteur v sur delta t, sans parler du tout d'accélération. Je repasse ici. Voilà.
Donc, on avait en premier, on avait parlé de delta vecteur V, variation du vecteur vitesse sur delta t. Et bien là-dedans se cache la notion d'accélération. Parce que si je fais tendre comme tout à l'heure, si je prends la limite quand delta t tend vers 0 de ça, de tout ça, j'ai la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, comme tout à l'heure. Et ça, c'est défini comme étant l'accélération. Donc une accélération, c'est une variation de vitesse dans le temps. Le vecteur accélération, c'est une variation du vecteur vitesse dans le temps, aussi bien en direction qu'en valeur. Il faut passer par ce passage théorique là avant de poursuivre, de prendre des exemples concrets, hein. Voilà. Donc vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Mais comme le vecteur vitesse, c'est déjà la dérivée du vecteur position, j'ai un lien entre l'accélération et le vecteur position. Je dérive une première fois, j'ai le vecteur vitesse, je pars de la position, je dérive une première fois, j'ai le vecteur vitesse, je redérive une deuxième fois, j'ai le vecteur accélération. Ce qui fait qu'en partant de la position, j'ai dérivé deux fois. Et ça, ce machin un peu compliqué dans l'écriture, ici, là, de notation, j'arrive, tu vois là, cette notation, ça veut dire dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Attention, ça, c'est pas un carré. Hein. Ça, c'est pas des carrés, c'est juste la notation pour dire je dérive deux fois le vecteur position par rapport au temps. J'ai le vecteur accélération. Alors, une suite d'égalité ici. Bon, c'est pas sur le plan mathématique, c'est pas hyper bien rédigé. Enfin, on aurait pu écrire des égalités les unes en dessous des autres, ça aurait été mieux. Mais bon, bref. Alors, cette première égalité traduit la relation entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Selon le même principe qu'ici, j'ai des relations entre les coordonnées de l'accélération et les coordonnées de vitesse. AX est d de VX sur DT. AX est la dérivée de VX par rapport au temps. Même chose sur les autres coordonnées. Mais si j'exploite cette relation-là, la coordonnée AX, c'est aussi la dérivée seconde de X de la position par rapport au temps. Pareil sur les Y et Z. Cette dérivée seconde de x par rapport au temps, elle se note, notation de physicien, x point point de t. Deux points pour dire qu'on dérive deux fois, c'est une notation compactée. Quand on dérive une fois par rapport au temps, c'est pour ça qu'on met un t là pour dire qu'on dérive par rapport au temps, ce x point, on dérive une fois x par rapport au temps. Je dérive deux fois x, deux points par rapport au temps, j'ai AX. Bon, pour la norme de l'accélération, c'est pareil. Encore une fois, vous trouvez ça peut-être ça compliqué. Bon, c'est une première lecture du document, première approche, hein. Si vous avez des questions, on y reviendra. Voilà pour cette partie 2. Il y aura partie 3 et une partie 4 également. On arrête là.